Alexandrine, tournage dans 5 minutes, s'il vous plaît. Je suis venu simplement comme spectateur pour voir les auditions. Bon, qui est en forme? Tout le monde est en forme? Face à nos 4 jurés, chaque candidat doit absolument se dire... Résiste. Et si malheureusement nos 4 jurés ne sont pas convaincus, et Buzz, tous les techniciens... Coupe la lumière et coupe le sang, débranche. Eh oui, et du coup la prestation s'arrêtera net. Évidemment. Évidemment. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Chris, ah, Chris Kilian. Ah, bonjour Chris, ça va? Alors qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui? Va chercher un verre d'eau s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Va me chercher. Ah oui, j'ai compris. Oh, Chris, je vous ai vu tout à l'heure aux répétitions, ah, c'est magnifique. Et ces étoiles là que vous avez sur le corps. Tiens. Ah. Tu vas me chercher un café? Merci. Non, mais tu que t'agères. Un café. Bon, Chris, à votre tour. Bonne chance, hein. Je suis vraiment avec Merci. Vous. Merci. Allez, Chris. Allez, calme Chris. Calme-toi. Allez, Chris. Ah. Des fois, j'aime bien. Ah, c'est formidable, extraordinaire, quel talent. Ah, génial. Je vais faire la famille. Allez Sandrine, c'est parti pour nos amis de Tahiti. On espère que les buzzers vont pas péter. Ça va? Mais non, mais il est pourri ton chèque, c'est pas comme ça. Merde. Mon chèque, c'est quoi? Tac. Mais non, pas ouh. Ah bah ouh, c'est pareil. Allez, on y va. Yo, bienvenue dans la France à l'incroyable talent, l'émission qui te détend et t'en met plein les dos. Si tu t'en rappes pas, tu peux atteindre la finale et rentrer dans les annales. Yo, plus on est de flouze, plus on rit, avec 100 000 euros pour le vainqueur. De quoi dans les épinards mettre du super beurre. Eh, puis il ira à Montréal montrer son talent phénoménal dans un cadre idéal. Wow, c'est trop géant, c'est incroyable, incroyable talent. Yo, 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 yo. Salut Thierry. Alors Thierry, on nous a dit que vous aviez 5 octaves. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Ça fait 2 mois que je m'entraîne. Hein. Bah oui, mais on peut pas devenir aussi bon que les candidats en 2 jours. Hein. Faut bosser, mon vieux. Ouais, tu crois que nous aussi, on pourrait empocher 100 000 euros comme le grand gagnant? Non, je crois pas, non. Par contre, on pourrait sûrement être invité au festival juste pour rire de Montréal. Ça ferait marrer les gens. En plus, il serait pas étonné qu'il ait été dans le cul, lui, ça. T'es vraiment tordu comme mec. Oui, là, un peu, oui. Aïe. Tu fais de la muscu devant aussi ou pas? Parce que c'est impressionnant aussi. Oh bah non, mais la buzzer pas comme ça, faut la remettre entière quand même. Moi aussi j'ai ton doudouk. Oui. Bah, je vous donnez la. Qu'est-ce que c'est que cette. Bah, je voulais jouer avec lui, mais il est déjà rentré sur scène. Peut-être qu'un jour, quand on aura leur âge, on fera la même chose. Bah, peut-être. On dira, je l'ai connue avec 45 ans. C'est ça. À l'époque, elle avait des cheveux. Qui est à côté de moi? Mon nom est Enzo Wayne. Bienvenue dans mon univers. Qu'est-ce que je fais là? Ah, bravo, hein. C'est incroyable, allez, où Sandrine? Ah, Sandrine, là-bas, bravo, les gars. Sandrine? Sandrine? Oui? Tu te rappelles les juges qui t'avaient élu Miss Belgique? Oui. Bon, c'est il y a un peu de temps déjà, mais regarde, ils sont tous venus. Allez, bonne la blague. Je pense que moi aussi, je sais le faire. Ah bon? Ouais, vas-y, dis camion. Camion. Je trouvais que c'était amusant pour une foire ou pour une fête, un mariage ou un... Un mariage. Celui qui prend ce mec à son mariage. Il dit bon... C'est pourri, là. C'est pourri ton slip. Je comprends pas pourquoi j'ai mis une lampe de poche dans votre slip. C'est le seul truc que j'arrive pas à comprendre. Attention, il est en train de dormir là, donc n'essayez pas de le réveiller. Faut l'allumer. Alors vous, chez vous, sur le Brick Connect, la question, a-t-il vraiment mis une lampe de poche dans son slip? La réponse tout à l'heure. Si je fais la finale, je l'enlève. Qu'est-ce qu'elle fait, la Sophie? Elle essaye de me le piquer ou quoi? Du coup, c'était génial. Ah, merci. C'était formidable.
Puis c'était un peu sexy quand même, il faut le dire. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc normalement, on te revoit au demi-finale. Tant mieux. Bah, je suis très contente. Moi aussi. Je peux t'embrasser ? Bah oui. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci. Un vrai Québec. Et Alex, t'as pas un euro pour mon café ? Et des sous, j'en ai pas. Et je donnerais très cher pour savoir où il y en a. Il y en a ici. Le grand gagnant repartira avec 100 000 euros. Et en plus, il ira... à Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben faut des sous. Mais non, il ira à Montréal. Il est invité au festival juste pour rire. Tu comprends rien. À tout café. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc un peu spirituel, tu vois... Spirituel. T'as... Bah oui. Les numéros faciles, c'est facile. Les numéros durs, c'est compliqué. Et... C'est intéressant, ça! Ça, c'était du grand Sophie Adelstein! Alex, que se passe-t-il encore cette année si nos quatre jurés actionnent leur buzzer? Ah, eh bien, on pourra dire que... Tout est chaos. C'est ça, ouais. La prestation s'arrêtera net et le candidat fera partie d'une... T'arrêtes, hein. Faut vraiment que t'arrêtes. Nouvelle manif pour les retraites. Ah bah j'arrive. Ouais, comme moi. Cette année encore, dans la France, un incroyable talent, les règles sont très simples. Eh oui. On ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. Exactement. Le vainqueur empochera 100 000 euros et s'envolera à Montréal, chez Gilbert. Ouais, chez Céline aussi. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est parti pour les 5 kilts. C'est le kilt ou double. Allez, Tim. C'est-à-dire, ça fait plus que 50 ans que je dresse des oiseaux. Il a une drôle de coiffure, le monsieur. Ressemble pas à Dave. Voilà, bienvenue en France. Regarde, une belle séquence, là. Attends, mais enfin, j'ai tenu. T'es malade ou quoi? Quel athlète! Laisse-moi remettre mon t-shirt Superman. Bon, arrête de me filmer, t'es nu. Ah, il y a une bonne ambiance. Incroyable. Elle est où, André? Elle est à la boue ou quoi? Mais tu fais le max. Tu prends du plaisir. André! Mais tout le monde est là, tout le monde t'attend. Tant pis. Hein. Salut Dominique. Mais bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. Ah, alors ouais. Tu viens d'où toi? Je viens de Montréal. Ah bah non, c'est sympa de venir nous voir. Et tu fais quoi dans la vie en fait? Bah comme vous pouvez le voir, je fais du trampoline. Ah bah oui, c'est malin. C'est ça. Mais du trampoline particulier. Je crois. Très particulier, oui, je joue de la guitare, hein, je présente du trampoline. J'adore la guitare. Dans la France, un incroyable talent, chaque candidat va tout faire pour convaincre le jury et éviter les buzzers. Un buzzer. Ça va encore. Deux buzzers. Ça se complique. Trois buzzers. Le jury sort les griffes. Quatre buzzers. La prestation s'arrête net. Aïe, mais tu meurs ! Qu'est-ce qu'elle est belle, la dompteuse. J'aimerais bien me faire dompter, moi. Bah quoi, c'est facile, hein, franchement. T'essayes après.
Ah, ouais. C'est d'une souplesse incroyable. Et toi, ça sent? Non, hein, mon pantalon est trop serré. Non, Alex, t'envole pas. En revanche, notre grand gagnant, lui, s'envolera pour Montréal et le festival Juste pour rire avec 100 000 euros en poche. Bienvenue dans la France, un incroyable talent avec plein de talents différents et vraiment des talents étonnants. Oula. J'ai un peu peur. Je pense que vous avez passé à la limite d'âge pour ce genre de truc parce que c'est vraiment bien, quoi. T'aimes ça, t'adores ça? Ah, mais moi j'adore, ça me transporte. Ah, formidable. Le problème avec ce genre de numéro, c'est qu'il y a énormément de candidats dans cette émission. Et il y a quelque chose qui se passe. Ah, attention. C'est très important que vous sachiez qu'Alex adore. Bah oui, j'aime bien. Et que s'il était jury, votre ami. Alors, on va pas le jury. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien. Donc, mais j'ai trouvé ça pas mal, voilà. Et après, je réponds à ma vlog. Non. Voilà, c'est heureux. Derrière, Alex, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un candidat, enfin. Ah non, on va le voir, moi j'ose pas, j'ai pas. Oh, mais écoute, arrête ton cinéma, ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est mortel ce numéro! Tu m'étais. Elle est un peu poilue par contre, hein. Il va falloir faire abstinence, vous ne pourrez plus buzzer pendant tout le numéro. Ah oui! La vraie question, c'est est-ce que le jury va faire. Oui! 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 Alexandrine, on vous attend sur le plateau dans 5 minutes, s'il vous plaît. On arrive. Tu peux me gratter le pied, s'il te plaît? Oui. Oh! J'espère que ça va être bien quand même pour le dernier jour. Tu sais combien on va en voir aujourd'hui? Ouais, je crois que c'est 42. J'espère qu'il y aura des chouettes trucs. Ah bah sur 42, il n'y a pas de chouettes trucs, on va vraiment faire chier. Pardon. Oh Alex, c'est incroyable, qu'est-ce que tu joues bien? Oui, je sais, mais j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, tu sais. Qui va à piano, va à sano. Ouais, enfin t'as quand même pas le talent du futur grand gagnant de cette année. Hein. Quoi? Enfin mais je pourrais très bien gagner les 100 000 euros, et peut-être même m'envoler à Montréal chez Gilbert. Ah bah d'accord. À quoi? Un petit bravo à nos techniciens quand même qui sont 150 sur le plateau, et là ça fait donc 17 minutes qu'ils installent ces plaques de granit, c'est des vrais, hein. J'ai été voir, ça fait mal. Sandrine. Faut y aller, chérie. 500? Ah, c'est presque. Cette année encore, le grand gagnant de l'émission ira au festival Juste pour rire de Montréal. C'est ça, oui. Mais surtout, il remportera un magnifique chèque de 100 000 euros. Money, money, money. Ah, c'est remerdé, non?